Capitaine, je te propose un jeu, un défi même. J'aimerais jouer avec toi à l'embobinage. Attention, l'embobinage, ce n'est pas un mensonge, c'est même tout l'inverse. Est-ce que tu relèves ce défi? Oui. Tes coéquipières t'ont posé chacune une question, et ton coach aussi. J'attends que tu y répondes avec franchise. Mais ce n'est pas tout. En plus de devoir répondre, tu vas devoir deviner qui t'a posé cette question. Si tu trouves, tu gagnes un point. Si tu identifies la question posée par ton coach, tu marques 2 points. En cas d'égalité, ce qui peut évidemment arriver, nous comptabiliserons le temps que tu as mis entre la lecture de ta question et sa réponse. À la fin de la saison, nous établirons un classement afin de définir quel capitaine de la Ligue Butagaz Énergie remporte le prix de l'embobinage. Est-ce que ton argent de poche, à l'époque du lycée, était consacré à l'achat de ton maquillage? Non, pas du tout. Mais oui, j'aimais bien me maquiller à une époque, mais voilà, c'est du passé. Je dirais Megan Rivero. Parfait. 1 point. Comment fais-tu pour débloquer une voiture lorsqu'elle est coincée dans un ravin? Eh bien, on enlève la pierre qui gêne la roue et on tire fort et généralement après ça repart. Donc là, je dirais Déborah Quodard. 1 point de plus. À 2 secondes près, combien de temps dure la chanson Free From Desire de Gala? Dure très longtemps, surtout quand on saute sur cette musique. Je dirais, je sais pas, 3 minutes, j'en sais rien. Je dirais Julie Dazet. 1 point. On a pu voir sur les réseaux sociaux que la famille Latou allait s'agrandir. Tu peux nous en dire plus? Oui, bah, ma chienne attend des petits. Elle attend 9 chiots, donc ça va bien s'agrandir. Bah, là, c'est compliqué. Je dirais Christophe Mazel. 2 points de plus au compteur. Franchement, Jojo, tu n'as pas honte de renier tes origines? Non, je n'ai pas honte de renier mes origines. Je les assume et voilà, il faut dire aussi qu'on se trompe sur mes origines. On pense certaines choses, mais ce n'est pas le cas. Là, c'est un grand point d'interrogation. Qui a posé cette question? Je dirais Jenna Bacilla. Non, regarde de qui il s'agit. Ok. Quelle est ta prochaine destination de voyage? Je ne la connais pas parce que c'est pour mon anniversaire surprise, donc c'est un séjour inconnu qui arrive bientôt et je dirais Léna Leborn. Parfait. Pour le match, on doit mettre des chaussettes blanches ou des chaussettes noires? Eh bien, on choisit blanc ou noir, il n'y a pas d'obligation. Je dirais Fanta. Non, regarde de qui il s'agit. Ok. Bon, bah voilà. Bravo, tu prends la seconde place.